rébellion des Jedi a pu être matée. Et pour le reste des Jedi, nous avons donné l'ordre de les traquer et de les exterminer. Cette tentative de meurtre a eu des effets. Elle a laissé de profondes cicatrices sur mon corps et dans mon âme. Mais soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Enfin, moi, je trouve que c'est pas vraiment juste, parce qu'en fait, il s'est exprimé en disant qu'il se sentait Charlie Coulibaly, et on l'a mis en prison juste après. Or que le message qui aurait dû se faire passer, c'était on pouvait s'exprimer. Vous avez travaillé sur la, ce que vous venez de dire, sur la différence entre... la liberté d'expression, c'est-à-dire la possibilité de critiquer... le Premier ministre, la ministre de l'Éducation, de la principale, pas trop. Non, mais de pouvoir dire ce qu'on pense. En revanche, insulter quelqu'un parce qu'il est juif, musulman ou chrétien, là, c'est passible d'un tribunal. Là, la loi peut punir. C'est ce travail de différence entre ce qu'est une opinion et ce qu'est une parole raciste, antisémite ou d'apologie du crime. Qui, elle est condamnée. C'est pour ça que Dieudonné, ce n'est pas une prise de parole comme une autre. Il le fait exprès pour créer une provocation, pour une provocation, mais c'est un délit. Après, la justice dira ce qu'il en est, c'est pas à moi de le dire. Quel affront que de voir un récidiviste de la haine tenir son spectacle dans des salles bondées au moment même où samedi soir, la nation, porte de Vincennes, se recueillait. Ne laissons jamais passer ces faits et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Je le dis avec force, ici, à la tribune de l'Assemblée nationale. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Et il y a une liberté totale d'expression, mm-hmm. Tant mieux. La limite c'est Dieudonné, la limite c'est Dieudonné, la limite c'est Dieudonné, la limite c'est... Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. La liberté peut entraîner l'immaturité, peut être accompagnée d'irresponsabilité, c'est peut-être le cas pour Charlie Hebdo, chacun... La liberté d'expression a des limites. De quel droit Dieudonné et ses comparses peuvent-ils encore nuire dans cette campagne pour les élections ? Liberté d'expression totale. Totale. Mais dans certaines limites. Mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends ? C'est non, ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser ? Pourquoi ? C'est la liberté, c'est ça. Quand... C'est la liberté de... Michel, vous pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non? En disant le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie. C'est mon travail. Mais vous referiez pas le même sketch quand même. Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement... inadmissible que j'en suis choqué, voilà. Dans un pays
où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Ben parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz, et que ça crée un petit problème quand même, vous voyez ce mais que je veux dire. Mais dans ce pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de Noirs, oui, et 400 ans d'esclavage, et pourtant ça n'a pas empêché Michel Leb de faire un sketch qui m'a fait marrer, où il faisait un Noir, puis à la fin il faisait un singe, et en parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail, il a même eu la Légion d'honneur. Autour de valeurs, et ces valeurs, ce sont les valeurs de tolérance et de liberté, parce que c'est la liberté et la tolérance qui ont été atteintes, qu'on a voulu tuer. Inévitablement, cette volonté de nous battre pour nos libertés, pour notre démocratie, pour notre tolérance. Qui envisage de faire interdire les spectacles de Dieudonné? En tout cas, le ministère de l'Intérieur se penche sur le cas de Dieudonné et va étudier toutes les voies juridiques pour faire cesser les réunions publiques de l'humoriste. Même s'il justifie l'interdiction préalable de la manifestation pro-palestinienne. Il nous faut d'abord agir, éduquer, mais aussi sévir. Et si nécessaire, interdire. Aux racistes, des injures. Quand j'ai fait taire ce personnage, Dieudonné Mbala Mbala, je n'ai pas eu beaucoup de soutien, sinon celui du président de la République. Je dis ça, mais c'est important. Mais que faire contre cela? Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste de la du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Ça bouge parce que s'il est perçu que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël ne sera défaite et cela les encouragera. Et c'est déjà en Afrique du Nord. La portée des roquettes ne fait qu'augmenter. Vous serez visé, vous en France. Ha 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 ha!
Bye.